Aussi, le mois de juin est un mois de l'indépendance. C'est vrai qu'on aura un jour spécifiquement pour parler de cela, mais pour l'instant, revenons sur des questions fondamentales. La question fondamentale aujourd'hui, c'est la relation que la RDC entretient avec le Rwanda. Deux voix s'élèvent. Pour certaines personnes, il faudrait arrêter ces relations. D'autres estiment qu'il faut qu'on hausse le ton. Il est vrai que l'opinion congolaise est partagée. D'un côté, il y en a qui veulent qu'on fasse forcément la guerre. Il y en a d'autres qui estiment qu'on peut pousser les négociations beaucoup plus du côté rigide pour que l'on soit ne serait-ce que respecté. Par contre, il y en a d'autres qui estiment que ça ne sert à rien de fermer les frontières, ça ne sert à rien de faire toutes ces choses. Nous devons nous montrer fondamentalement assez sérieux dans ce que l'on veut et qu'on ait une seule voix. Donc, on va dire simplement que depuis tout ce temps, nous n'avons pas encore réussi à construire une seule voix. Pas du tout. Le peuple, pour le peuple, une très bonne partie du peuple estime qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Déjà, nous ne sommes même pas d'accord sur la terminologie de la chose en question. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, la RTNC continue à traiter des M23 des mouvements rebelles. Alors que le gouvernement avait déjà dit que c'est des mouvements terroristes, mais nous continuons encore à dire que c'est des rebelles. Ça veut dire que lorsque la chaîne nationale continue à croire que les groupes rebelles, les groupes, voilà, les M23 sont des groupes rebelles, au même titre que Kadeko, au même titre que les autres, le Mai Mai et les autres, alors là, ça devient extrêmement dangereux. Nous devons d'abord commencer à donner un nom à ce que nous voulons véritablement combattre. Est-ce que c'est des ennemis? Est-ce que c'est des adversaires? Puisque c'est en fonction de ces qualificatifs-là que l'on déploie une force proportionnelle. Si vous dites que c'est des ennemis, on va se battre avec eux comme des ennemis. Donc il n'y a pas de lien d'amitié, il y a plutôt de lien d'inimitié, il y a plutôt de lien d'hostilité. On ne parle pas là d'une certaine adversité. Quand on est adversaire, il y a une certaine loyauté quand on est en train de se battre entre adversaires. Les avocats sont des adversaires. Ils ne sont pas ennemis, ils sont adversaires. Les politiciens entre eux sont des adversaires, ils ne sont pas d'ennemis. Les groupes rebelles, on va en parler plus tard. Mais ici, il s'agit des ennemis. Alors, une fois qu'on a identifié ces gens comme des ennemis, en ce moment-là, tous les coups sont permis. Je n'ai pas senti dans le temps du ministre une fermeté. Alors, si c'est ça la position du gouvernement, excusez-moi de vous le dire, je suis totalement désolé, mais ce n'est vraiment pas de cette façon-là que l'on réussira à faire peur aux autres. On a du mal même à dire clairement que le Rwanda nous agresse. On a du mal à le dire. Vous savez, on peut dire ça rapidement. Oui, le Rwanda nous agresse et puis on passe. Non, ici, il ne s'agit pas de passer, il s'agit de s'affirmer. Il s'agit de s'affirmer. Vous avez vu, j'oublie le nom de ce monsieur, mais j'oublie le nom de ce monsieur qui est allé aux Nations Unies, je crois devant les Nations Unies, il y avait un conseil. Ce monsieur-là posait aux Rwandais des questions fondamentales. Il aurait dû être ministre, celui-là, si c'est lui qui représentait le pays. Sans embâge, il n'est pas allé à gauche et à droite. Il a clairement dit les choses. Mais vous avez un ministre des Affaires étrangères qui joue. Ça, c'est même pas la diplomatie, mais une certaine. Bon, le terme ne va pas être celui-là, mais je le dépouille de toute sa force négative, hein, le terme que je vais employer, un peu de légèreté. Je le dis encore, je le sors, j'enlève toute la pression négative qu'il y a dans ce terme légèreté, puisque les gens collent le terme légèreté au caractère de l'homme. Ça n'a rien à voir avec l'homme qui a parlé. Je parle aussi de l'institution gouvernement, je parle ici de la structure ministérielle, je ne parle pas de l'homme qui est allé là-bas. Voyez-vous, voilà pourquoi je n'ai pas cité son nom. Je parlais du ministre des Affaires étrangères, que les gens ne confondent pas ces choses. Mais c'est quand même assez compliqué, non? Parce que quand on est ministre des Affaires étrangères, ça veut dire. On est la voix de la diplomatie. On doit, dans ses mots, dans son attitude, dans sa façon de parler, dans sa façon de recevoir des personnes, sentir la fermeté de l'État. Voyez-vous, sans idée de faire la polémique, vous avez vu Madame Bazaïba. Madame Bazaïba, je ne partage pas sa politique environnementale. Pas du tout, en tout cas. Pas du tout. Je pense qu'on est en train de passer de faire un vide sur ce côté-là. Mais sur la question de la fermeté de l'État, Mme Bazaïba n'est pas allée par quatre chemins. Il a fait comprendre tout de suite au gouvernement rwandais, tout de suite, sans équivoque, qu'on n'est pas d'accord, que ça continuait, et bien ça allait mal finir. Ça, il a dit. Elle a dit, pardon. Il n'y a pas eu de mots, non, 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 pas du tout. Et même le langage, je crois que cette dame, elle en a dans le ventre. Vous avez vu son caractère quand elle reçoit l'ambassadeur du Rwanda. Quand elle reçoit l'ambassadeur du Rwanda, il n'y a pas de rire. Non, il n'y a pas de rire, elle n'est pas genre détendue. Non, 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 pas du tout. Elle porte un message. Son corps
porte un message. Son regard porte un message. Gestuelle porte un message. On sent que ici, elle n'est pas d'accord et donc c'est le gouvernement qui n'est pas d'accord. Mais lorsque vous avez la même photo, la même vidéo entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Rwanda, vous avez l'impression que l'ambassadeur du Rwanda est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, un peu comme pour dire « ça va passer rapidement cette histoire, ils ne vont pas aller jusqu'au bout ». Et vous avez le ministre qui est là, bon voilà, un peu comme si on parlait d'un problème de carburant, d'un problème de bus, pas vraiment d'un problème de vie. Et c'est cette absence de fermeté qui me gêne forcément. Moi, ça me gêne un peu, quoi. Je me dis, mais ceux qui gouvernent le pays, est-ce qu'ils ont la mesure de la question? Vous avez la rue qui est avec vous. Depuis, il faut rappeler une chose, depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu un consensus comme ça autour de l'armée. Vous avez entendu M. Martin Fayulu. M. Martin l'a si bien dit, pour la première fois ou les rares deux fois, je suis d'accord avec M. Martin. Quand il dit par exemple que vous vous battez là-bas, vous êtes des vrais héros, vous n'êtes pas seul. S'il faut même que l'on puisse contribuer ici, on le fera. S'il faut qu'on cotise l'argent, on va le faire, pourvu que vous puissiez trouver quelque chose. Ça c'est un discours responsable, un vrai discours responsable, un vrai discours rassembleur. Donc vous allez voir que même pour l'armée, les opposants congolais, certains, parce que jusqu'à là, ensemble, n'a rien dit, mais les opposants congolais sont d'accord avec l'armée pour la première fois. Ce qui ne s'est passé pas dans le temps où on ne soutenait vraiment pas, ou timidement, l'armée. Maintenant, là, on le fait et c'est formidable. Mais alors, dites-moi, quand les opposants sont beaucoup plus rigides que le gouvernement, dans une question de sûreté de l'État, j'ai bien peur de beaucoup de choses. J'ai bien peur de beaucoup de choses. Et c'est ainsi que moi je marque aujourd'hui ma désapprobation totale à l'égard de la RTNC, de ceux qui dirigent la RTNC sur la question, à l'égard du ministère des Affaires étrangères, c'est ma désapprobation totale. J'aurais bien voulu que le ministre des Affaires étrangères, soit il ne parle pas, soit il parle avec fermeté. Je ne suis pas d'accord avec le fait d'aller doucement dans les discours avec le Rwanda. Je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec les discours. Nous, vous voyez, voilà, nous demandons. Il n'y a plus de demander. Sur la question de la remise des otages, là encore, le ministre m'a personnellement déçu. Il apporte un détail. Mais c'est un détail crucial et important. Et le ministre passe comme ça, à vue, quoi. Il passe ça, il laisse ça. Voici de quoi il est question. Il y a une mauvaise presse qui a dit qu'on a remis les otages congolais, rwandais, on les a remis. Pourtant, on ne les avait pas remis. Et le ministre avait là l'occasion de tuer la rumeur. Mais il passe, ce n'est pas son affaire. En tout cas, on y va. On dit non, mais écoute, il dit non, mais nous avons encore ces otages, on va le remettre au président angolais. Non, c'est quoi l'importance de cette réponse dans l'opinion? L'opinion n'a pas besoin d'entendre de messages qui peut le décolérer. L'opinion n'a pas besoin d'entendre de messages ou un discours qui va le démobiliser. Puisque vous devez connaître avec qui vous avez affaire à une population qu'on a abrutie pendant près de 20 ans. Vous avez affaire à une population que l'on a enlevé la faculté de réfléchir convenablement. Nous réfléchissons par émotion ou par procuration. À un peuple comme ça, ne donnez pas tout le message. À un peuple comme ça, ne donnez pas toutes les informations, puisqu'elle aura du mal à faire le tri. Si ce peuple arrive à faire, si ce peuple a du mal à faire le tri des informations, vous laissez ce peuple, en tout cas, à la merci de toute aventure et de toute la main-d'œuvre. Facile, elle devient une main-d'œuvre facile, elle va consommer n'importe quoi. Le ministre des Affaires étrangères aurait pu s'arrêter à dire simplement que nous n'avons pas encore livré les otages rwandais. Point. Pas besoin de dire on va donner ça à Lorenzo. Parce que quand vous dites on va donner ça à Lorenzo, les manipulateurs, quand ils écoutent ça, ils prennent juste cette phrase et ils vont dire aux gens Omoni, donc Lorenzo, Ndemutakomo Kambabisoa. Et ça peut aller dans tous les sens. Vous avez besoin d'une opinion derrière vous. Et cette opinion, malheureusement, cette opinion n'a pas été formée. Elle a été déformée. Et comme elle a été déformée, vous avez un déficit communicationnel. Déjà, vous, le gouvernement actuel, vous avez un déficit communicationnel. Vous ne tenez pas longtemps devant les rumeurs. Vous n'arrivez pas à avoir des armes qui, finalement, démontent et démantèlent les rumeurs. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites des erreurs de propos ou lorsque vous faites des lapsus et que vous ne corrigez pas avec fermeté, vos adversaires prennent ces faiblesses-là et ils en font comme des éléments d'attaque et vous perdez dans l'opinion.
Je ne vois pas l'importance de dire aux gens qu'on va donner à Lorenzo. Non. Puisque l'exemple que vous donnez après, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, l'exemple que vous donnez après en disant, par exemple, nous voulons montrer à la face du monde que nous n'avons pas un problème, nous voulons montrer, c'est une preuve que nous... Non, nous n'avons pas besoin de preuves aujourd'hui. La preuve, elle est là. La preuve commence depuis 97. La preuve, on l'a vue en 2001. La preuve, on l'a vue entre 2001 et 2003. La preuve, on l'a vue entre 2009 et 2012. La preuve, on l'a vue entre 2014 et 2022. On a vu des preuves. On n'a plus besoin de montrer des preuves. Deux militaires rwandais capturés chez nous, ce n'est pas des preuves. Nous en avons un peu plus que ça. Ça, c'est un petit détail du tout. Les armements rwandais qu'on trouve ici sont des preuves. Le fait d'avoir des M23 au Rwanda, c'est une preuve. Le fait d'avoir des Rwandais qui ont été généraux chez nous et qui sont aujourd'hui en exil là-bas chez eux, c'est des preuves. Vous voulez quelle preuve? Il y a eu quelqu'un qui était ministre au Congo ici. Ministre, s'il vous plaît. Il y en a qui étaient secrétaire, je crois, dans des grandes fonctions. Aujourd'hui, il est ambassadeur au Rwanda. Quelle preuve voulez-vous encore? Donc, on n'a pas besoin de montrer... Non, en fait, c'est comme un pays qui est en train de subir des coups et qui attend de montrer des preuves. Non, nous attendons des preuves. Il n'y a pas de preuves, on va vous crever l'œil. Il n'y a pas de preuves. Donc, moi, je reproche véritablement cette absence de fermeté. Et ce n'est pas possible. On a été assez lent. On a été terriblement faible sur la question. Et malheureusement, il faudrait que l'on change. Le chef de l'État, on sent qu'il a une vision. On sent qu'il a un besoin d'en finir. Mais après, il y a toujours des soupapes. Il y a toujours des gens qui disent « Non, ce n'est pas le moment. » Mais ça n'a jamais été le moment de faire la guerre. Non. Il n'y a jamais eu un moment propice pour faire la guerre. La guerre, on l'a fait parce que l'on estime qu'on a épuisé toutes les voies. Et aujourd'hui, rassurez-vous, il faut mettre la communauté internationale et tous ces États-là dans un, comme on a dit, dans un fait accompli, devant un fait accompli, pour qu'ils fassent le choix. Puisque cette hypocrisie-là, on ne peut pas continuer comme ça. Non, le gouvernement a manqué beaucoup de fermeté et ce n'est pas possible. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la RTNC, comment on peut encore jusqu'à aujourd'hui, à ce stade, dire que le M23 est un groupe rebelle? Comment on arrive à dire ça? Comment vous dites que le M23 est un groupe rebelle? Le M23 n'est pas un groupe rebelle, le M23 est un groupe terroriste. Une fois que l'on a identifié ce terme-là, on va maintenant mettre ça en machine. On va travailler ça. On va travailler dans l'opinion pour présenter cela. Les pays, il y en a qui se sont construits dans la victimisation. Vous avez le Rwanda qui a construit toute sa politique dans la victimisation, au point d'avoir tout le pays du monde derrière lui. Le génocide rwandais. Mais nous avons un génocide de plus de 60 millions de morts, on en parle. Pardon, 6 millions de morts, on en parle. Il y en a d'autres qui parlent de 15 millions de morts. On ne connaîtra même pas les statistiques. On nous a privés de connaître ne serait-ce que les statistiques. Pendant 18 ans, il n'y a pas de mémoire collective. Pendant 18 ans ou pendant 20 ans, je vais vous dire, on n'a pas eu ne serait-ce que droit au monument des soldats inconnus. Quand je dis les soldats inconnus, ça veut dire des hommes et des femmes qui ont donné de leur vie pour la paix de ce pays. On n'en connaîtra pas. C'est-à-dire qu'on a refusé à un État de faire le deuil. On nous a refusé même de faire le deuil. Est-ce que vous imaginez le degré de la méchanceté? Est-ce que vous imaginez le degré de... Voilà. Et puis ces gens-là, malheureusement, et comme, bon, voilà, on est tellement amnésique et on a des problèmes sérieux, ces gens reviennent pour donner des leçons. Ils parlent même que l'armée est faible. Ils disent même qu'on est incapable. Je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Ça veut dire vous creusez un trou. Et après d'avoir creusé ce trou, vous faites semblant de mettre des feuilles au-dessus du trou. Mais c'est un piège en ce moment-là. Vous attendez que les gens tombent pour dire « ben voilà, voilà, voilà ». Mais alors que c'est vous qui avez finalement créé ces conditions. Toute cette situation a été créée par des gens. Ben, on ne va pas faire le procès du passé, même s'il faut quand même le faire à un moment donné. Mais il est temps maintenant qu'on se mette ensemble pour qu'on se dise « voilà comment on veut aller ». Regardez la communication du gouvernement. Regardez la manière dont le gouvernement se comporte sur la question de l'Est. Vous allez croire avec moi que la population, elle est beaucoup plus en vitesse que la population, que le gouvernement. Pourquoi? Personne ne le dira le plus. Donc il est temps. Alors, c'est vrai que maintenant, proposons, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour l'instant? Ce que moi, je te conseille, si le président de la République peut nous écouter, monsieur le président, confier la tâche de parler du pays dans cette question-là à Mme Bazaïba.
Parce qu'elle est du gouvernement. C'est la seule que je trouve assez. On va dire, qui en a dans le ventre. Elle est la seule. J'ai comme l'impression que tous les hommes qui sont dans le gouvernement ont peur d'en parler. Ils ont peur, je ne sais pas de quoi. Alors, comme il y a une dame qui est là, qui, elle, n'a pas peur, bah, donnez-la la possibilité d'en parler. Si le ministre des Affaires étrangères ne change pas sa communication sur la question, s'il vous plaît, monsieur le président, demandez au ministre des Affaires étrangères de ne plus en parler. De ne plus en parler, puisqu'il n'y a pas de fermeté, il n'y a pas de. Voilà, on ne sent pas le temps là. On se dit, mais on est où, dans quoi on est? Et je crois qu'il faut continuer à maintenir de la pression là-dessus. Il faut trouver, je le dis et je continue encore à le dire, c'est le moment. C'est le moment. Regardez sur TikTok, ceux qui suivent TikTok, vous allez voir qu'il y a une tendance maintenant, il y a une sorte de challenge. Mon caporal, mon général, mon caporal, enfin, nous qui avons des je ne veux pas dire ça comme ça, à la maison, les femmes aiment bien les TikTok, donc tu suis ça chez elles, parfois. Tu l'entends. Et ça crée de la curiosité pour mettre un peu les choses en place. Tu essaies un peu de voir comment ça se passe. Et tu vois les jeunes dames, malheureusement congolaises, faire des challenges sur une chanson guinéenne ou est-africaine de l'armée. D'accord, qui montre la bravoure de leur armée. Et ces femmes-là sont suivies. 12 000, 15 000, 20K, 30K. Donc, l'on peut créer une sorte d'adhésion populaire avec ces jeunes dames. On peut les appeler, on dit, bon, écoutez, maintenant, là, ce que vous allez communiquer chez vous dans vos réseaux sociaux, c'est l'image de notre armée. J'ai vu une dame, je ne connais pas son nom, j'ai vu une dame en train de le faire, à la Titania Congo, à Dobinano. Vous prenez ça de la blague comme de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est donner un contenu à ce qu'elle fait. C'est donner un contenu. On ne peut pas jouer avec les réseaux sociaux en ce moment. Les réseaux sociaux, on ne peut pas jouer avec ça pour l'instant. C'est une arme, mais que je ne pense même pas que le concepteur de ces réseaux sociaux imaginait ça. Les réseaux sociaux sont devenus une véritable arme de propagande, une véritable arme de dissuasion, une véritable arme d'éducation, mais aussi une véritable arme de destruction, mais alors massive. Les réseaux sociaux, c'est comme la guerre, c'est un peu comme Poutine l'a dit. Ça dépend. Poutine dit, la presse, c'est comme une arme. Ça dépend d'entre les mains de qui elle se trouve. Voilà, c'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une vraie bombe, mais c'est entre les mains de qui? Je propose maintenant un collectif. Si les gens ne sont pas en mesure de le faire, moi je peux le faire sans demander l'argent. Simplement question d'organiser les choses. Vous appelez ces jeunes dames, pas de façon dispersée. Le mal avec les Congolais, sans que vous compreniez ma contenu. Moi, j'y réfléchis depuis des mois. Depuis des années, j'ai réfléchi sur la question des réseaux sociaux. Depuis Facebook et tout ça. Je peux donc aujourd'hui retrouver mes publications de 2016, de 2014, où je demandais, où je le disais. Il est temps maintenant. Il est temps. Je vous donne un petit truc d'organiser TikTok pour les Congolais. Nous connaissons les TikTokers, les TikTokeuses. Nous les connaissons tous. Réunissez 500 TikTokers ou 500 TikTokeuses qui ont déjà des vues, des abonnés qui dépassent par exemple 50 000, 50K. Quand vous avez des gens qui ont comme ça, vous les recrutez, vous les appelez. Idem pour Twitter, idem pour Facebook, idem pour quel est cet autre réseau social? Je crois Facebook, Twitter, Instagram et tout le reste. Vous avez ces gens-là avec vous et vous essayez de le dire qu'est-ce que vous pensez. Voilà ce que vous allez faire. Vous avez besoin des informations en termes d'armée. Voilà les informations que nous pouvons mettre à votre disposition. Alors que chacun de vous utilise sa créativité pour avoir plus de gens. Ces jeunes gens, vous n'allez pas. Il y a un fonds que l'on met en place. Et ce fonds-là, on sait où les avoir sans déranger la caisse de l'État. Nous savons où on peut avoir ces fonds-là. Et l'État ne donnera même pas 10 francs. Même pas 10 francs. Mais l'argent viendra là où nous connaissons. Et nous connaissons là où on va trouver l'argent. Et une fois qu'on trouve l'argent, tous ces gens-là sont bien payés, bien équipés, mais vous allez vous-même voir. En 2 mois seulement, vous aurez quelque chose de formidable. Vous aurez un peuple repris. On utilise les leaders d'opinion. On utilise des journalistes qui ont pignon sur rue. Aujourd'hui, vous avez... C'est un symbole. Figurons, imaginons-nous une seule scène.
que tout le monde qui est dans le Congo, journaliste est nioso au Congo, balati tenue militaire na bisou. Bah journaliste est nioso. Oh bah c'est la mission na bango, balati tenue militaire na bango. Ou bien bah indice militaire na bah plateau na bango. Est-ce que vous savez l'image qui se renvoie aux gens? Toutes les émissions, à toute tendance, est la mission à la chaîne d'opposition, est la chaîne à pouvoir, est la chaîne centriste, dans un élan patriotique on le fait. Est-ce que vous imaginez qu'un journal où il sera publié, que ce journal apporte le drapeau et effigie à FRDC, un journal, l'aura potentiel, phare, soft, tout ça? Parce que l'image est armée, dans la page. Mais vous conduisez ça comme ça. Mais ce que vous ne savez pas, ça va faire un boom. Vous avez des émissions de grande audience, Kiosque, Bossolo, la politique, avec Jean-Marie Kassamba, Club 50 et tout le reste. Il y en a beaucoup, hein, je ne citerai pas tous. Et Rémo Ebélé. Toutes ces émissions-là, vous discutez avec eux, non, on est dans une, sur les prouesses de l'armée. Réfère l'histoire. Entre-temps, la RTNC ne fait que vous envoyer les anciennes images d'Yakala. Il y a un triomphe de Yakala. Il y a une vidéo de Mike Yakala. Ma vidéo armée, je n'ai pas gagné. J'ai vu la vidéo de Mamadoundala. Qu'est-ce que j'étais content. Mamadoundala qui recrée des conditions. Mais c'est comme ça que l'on peut battre une guerre. Elle est d'abord psychologique. Et c'est d'abord ici une question de neurones. Mais il ne faudrait pas qu'on ait un gouvernement qui fragilise l'élan. Il ne faut pas qu'on ait un gouvernement qui, tâtonne encore sur deux mots. Il ne faut pas qu'il y ait un gouvernement qui va ralentir ou atténuer ce que l'élan populaire dit. L'élan populaire est une énergie qu'il faut s'en servir. Il faut trouver l'élan possible. Puisque que vous le vouliez ou pas, en 2023, un des thèmes importants de la propagande, ça va être la question de la guerre à l'est de la République. Ce sera ça la question. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.